Et coucou mes chouchous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, surtout avec l'annonce de la fin qui approche tout doucement de ce confinement et la possibilité super de pouvoir passer les fêtes de Noël et de premier de l'an en famille. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un moment de nouveau de test de maquillage. Je ne sais pas si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont entendu parler de la marque Absatoussi. Donc ça fait un peu fureur sur les réseaux, notamment Christina Cordula qui en parle, étant donné que c'est une amie à elle. Donc c'est une jeune entrepreneuse qui est quand même connue, qui est également chroniqueuse de télé, qui a sorti une gamme de maquillage. Alors je sais qu'ils font tout plein de produits, notamment pour la maison, vêtements ou autres. Moi, j'ai préféré tenter que la gamme de maquillage pour commencer. J'ai donc commandé une palette. Donc, j'ai connu cette gamme de maquillage grâce à deux beautypreneurs, pardon, que j'ai sur Facebook et qui communiquent énormément. C'est leur cœur de métier et ils travaillent donc pour cette marque. Je vous laisserai leurs références dans le commentaire. Donc, il s'agit de Chris Ange et de Chris Gray. Donc, c'est assez original. C'est un couple. Donc, c'est quand même assez rare de trouver un petit monsieur, je tiens à le préciser, qui est beauty entrepreneur. Je trouve ça très très bien. Et ça m'a attirée parce qu'ils sont de très bons conseils et toujours à l'écoute. Voilà. Donc, je vous invite à aller les demander en ami sur Facebook. Et je vous laisserai leur cœur de courtier, notamment en commentaire, si vous souhaitez commander cette palette. Donc, je vous la présente, elle est comme ceci. Je suis partie sur la palette transformiste. Donc, on va tester ensemble ce soir. Elle est à 29,90 €. Possibilité de régler en une fois ou j'ai trouvé ça très sympa en trois fois sans frais. En termes du délai de livraison, c'est quand même assez rapide. Il faut compter 10 à 15 jours grand maximum. Moi, il me semble que j'ai reçu sous 10 jours. Et au niveau de l'emballage, rien à dire. C'est très sérieux. C'est bien protégé. Donc ça, je suis très satisfaite. Allez, bon, pour cette vidéo, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé mon teint. Pour le teint, si vous souhaitez savoir ce que j'ai mis, j'ai utilisé le MAC Lumière en fond de teint de chez Chanel. Toujours ma poudre translucide de chez Couleur Nature, pardon, je suis un peu fatiguée ce soir. J'ai également ajouté un anti-cerne de la marque Belle. Donc c'est parti, on va tester de suite les différentes teintes à paupières. Alors, je vais innover, hein. Je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais commencer par la teinte prune. Je commence par cette teinte parce que c'est habituellement ma teinte préférée. C'est parti. Donc, je travaille au-dessus de mon creux poplité. Donc, le fard à paupières se fond très bien, vous pouvez le constater. Et c'est plutôt bien pigmenté. Donc je suis assez satisfaite. Là, rien à dire pour le moment. Donc moi, ce qui m'a attirée surtout dans cette palette, je crois qu'ils ont ces quatre palettes différentes. Moi, ce qui m'a attirée, c'était surtout le côté paillettes. Parce que c'est difficile de trouver des fards pailletés qui tiennent au niveau de la paupière et dans la journée sans que les paillettes ne tombent. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. En tout cas, pour la première couleur, je suis vraiment ravie. Du coup, j'en ai mis plus de l'autre côté qu'ici. Je vais en rajouter. Regardez. Vraiment, en termes de pigmentation, pardon, on est au top. Du coup, ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux pour Noël. Ensuite, alors, j'avoue que je suis bien tentée par la couleur, du coup, verte. Je ne sais pas trop laquelle utiliser.
Allez, on va partir sur celle-ci. J'ai pris un pinceau plat pour appliquer du coup sur la paupière mobile. Alors, j'avoue que je la trouve un peu plus discrète. J'en ai peut-être pas pris assez. Ah, voilà. J'avais du mal prélevé. Alors, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit derrière. J'ai mon conjoint juste derrière dans le salon qui joue à son ordinateur. Ouais, vraiment, c'est super. Regardez les filles. Ou les garçons, s'il y en a parmi nous. Ils sont également les bienvenus. On va faire la même chose. Donc tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà utilisé les palettes Absatoussi, ce que vous en avez pensé et si comme moi, vous êtes agréablement surpris du résultat. En termes de rapport qualité-prix, honnêtement, on est au top. Oh, c'est génial. Vraiment, vraiment, vraiment ravie de l'achat. Allez, on va apporter une teinte un petit peu plus foncée dans le coin externe. Du coup, je vais partir sur celle-ci. Ah oui. Bon, les teintes se mélangent bien entre elles aussi. Donc ça, c'est bien. Du coup, j'ai bien envie de rajouter la première teinte vert irisé dessous. Parce que je l'ai adoré. Alors, par contre, petit bémol, on est sur un fard qui est volatile, donc qui tombe sous l'œil. Donc, deux possibilités pour ça. Je sais que dans la vidéo juste avant, j'ai pas été fan. Des protections comme ceci. Par contre, si vous non plus comme moi, vous n'adhérez pas, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter de la poudre libre juste en dessous. Comme ça, si le fard tombe, avec ce type de pinceau ou un gros pinceau, vous n'aurez plus qu'à l'enlever en faisant comme ceci. Ça, ce sont des petites astuces que je vous donne. Ouais, c'est plutôt sympa. Même très sympa. Alors, j'essaie de m'approcher un peu pour que vous puissiez voir. Je fais tout tomber derrière moi, c'est pas grave. Donc, le fard que j'ai repris, qui est juste positionné à l'intérieur, donc le vert irisé, est très joli et très pigmenté. Du coup, j'ai pas forcément envie d'en mettre plus. Si, on va quand même tenter la paillette. J'ai envie de voir ce que ça donne. Alors,
voulais partir sur celle-ci. À prélever avec le pinceau, j'ai du mal. Du coup, je suis embêtée. Est-ce qu'avec un pinceau mousse comme ceci, je vais réussir à les prélever? Oui. Effectivement. Donc, je vous déconseille les pinceaux plats, les pinceaux estompeurs pour cette palette. Et pour le faire pailleter, je vous conseille le pinceau mousse. Vous voyez, quand j'ai prélevé, ça s'est mis immédiatement dessus. Voilà. C'est parti. Ah oui, donc très crémeux. À appliquer par petites touches. Par contre, très pailleté, hein. Rien à dire. Cette palette est splendide. Voilà, rendu en plus, vous pouvez voir, c'est très joli. Ah, j'adore. Ça faisait un moment que je cherchais une palette avec des paillettes qui tiennent bien. Là, je pense qu'en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Donc, si vous êtes fan des paillettes et que vous souhaitez en appliquer pour Noël, n'hésitez pas à aller regarder les palettes Absatoussi. Parce qu'il me semble que chaque palette a sa petite gamme de paillettes. Et il n'y a rien à dire. Ça brille. Du coup, je vais même faire la photo du make-up pour l'ajouter sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander ou à vous abonner sur mon Instagram. Donc, c'est NJ en minuscule, tiré du bas, LFT. Vous pouvez également me retrouver ici. Et honnêtement, mes chouchous, hormis le fard qui tombe un peu, qui serait le seul bémol, mais quelque chose qui se corrige très vite. C'est génial. Je vous la conseille. Donc, pour rappel, palette transformiste de Absatoussi, 29,90 €. Rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. C'est le top. Et ça peut être un super cadeau pour Noël si vous avez du maquillage à offrir. Voilà. Regardez, la paillette tient vraiment bien. La preuve, j'en ai mis juste un point ici et je suis obligée d'aller le retirer avec l'ongle. Ah, génial. Bon, on va quand même finaliser ce maquillage. On va ajouter un crayon contour des yeux. Où est-ce que j'ai mis mon crayon contour des yeux? Nous voilà bien. Si je ne le trouve pas. Bon, tant pis, je vais prendre celui-ci, celui de chez Clarins. Et je vais venir en appliquer du coup que dans le coin externe. Vous voyez, jusqu'à au milieu de l'œil. Je vais juste l'étirer légèrement dans le coin externe et faire un rappel pareil en bas, mais même pas tout le long, vraiment que dans le coin externe également. Hop. On va ajouter le mascara, le supravolume de Clarins. Lui, c'est mon chouchou, je l'adore. Donc, vous voyez, il fait un beau volume, il est facile à appliquer. Il n'assèche pas les cils. Très important, si on a les yeux sensibles et que justement on craint un petit peu les mascaras parce que ça assèche, là vous pouvez l'acheter les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Il est très hydratant pour le cil. Donc, ils ne font pas que les palettes de maquillage, hein. Là, j'avais acheté que la palette de maquillage. Mais j'ai vu qu'ils avaient toute une gamme de crayons.
une base de maquillage également, des mascaras. Ils proposent des mascaras, des rouges à lèvres. Et comme je suis satisfaite de la palette, je vais certainement repasser commande. Donc, pour rappel, je vous conseille soit d'aller sur Facebook et de demander en ami Chris Ange ou son compagnon Chris Gray. Alors, je n'ai aucun partenariat, hein, pas du tout. C'est vraiment parce qu'ils ont été de très bons conseils. Et lorsque je leur ai posé des questions, ils m'ont répondu rapidement. Ils font surtout aussi souvent des lives vidéo, tous les deux. Et on passe de bons moments. Il y a de bons moments de partage. Ils sont très agréables. Donc c'est pour ça que je vous les conseille. Mais en aucun cas, je n'ai de partenariat avec eux. Au contraire, hein, tout comme vous, ce soir, c'est une grande découverte et une grande surprise. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voici. Si, j'ai commandé également et je voulais en tester un ce soir, donc je vais partir dans une teinte très simple parce que le regard est très maquillé. La gamme NYX Lingerie, donc pareil, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent, mais mes chouchous, dites-moi-le si vous utilisez cette gamme de gloss. Alors là, j'ai choisi la teinte 04. Je vous avais dit dans ma précédente vidéo, j'avais tenté Huda Beauty et j'avais trouvé que c'était très très sec au niveau des lèvres. Donc j'espère que celle-ci sera un petit peu plus hydratante. Ah oui, effectivement. On est dans du mat mais plus crémeux. Du coup, c'est très agréable au niveau des lèvres. Donc c'est NYX Lingerie. Ça se présente comme ceci. Et voilà mes chouchous, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Donc pensez surtout à laisser des commentaires. Je répondrai à tous les commentaires comme je fais d'habitude. N'oubliez pas, s'il y a des nouveaux parmi nous, mais de vous abonner pour me soutenir. Je vous dis à très très vite. J'ai une très très grosse vidéo surprise qui arrive bientôt. Je vous en dis pas plus. Je vous dis à bientôt mes chouchous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et voilà. Bisous!